Allô tout le monde! Allô sur le groupe Facebook! Allô tout le monde! Bon vendredi! J'espère que vous allez bien! J'espère que vous passez une magnifique journée! Bienvenue sur le live Facebook. Je vais me connecter et je vais ouvrir une fenêtre pour vous voir. Quand vous êtes en live, dites-moi quand vous êtes là. Si vous êtes en replay, écrivez-moi un replay pour que je puisse voir c'est qui écoute en replay. Si vous êtes nouvelle sur le groupe, on fait des lives comme ça à tous les vendredis où est-ce que je réponds à vos questions que vous nous avez posées dans les questions d'adhésion, mais aussi aux questions que vous avez en live. Mon but, c'est de vous aider à croître votre entreprise. Et peut-être à démarrer votre entreprise si vous n'avez pas encore d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions en live, je suis là pour ça. Allô, Audrey-Anne, contente de te voir en live aujourd'hui. Donc, je vois vos commentaires et on va commencer. Je vais aussi me mettre en live sur mon compte Instagram, fait que je vais faire ça. Puis pendant que je setup le live, je vais introduire un petit peu le sujet d'aujourd'hui en vous disant que la conversion, c'est une des choses qui est la plus importante en business. Parce que si on a beaucoup de trafic puis qu'on n'a pas de conversion, ben on fait pas de vente. Puis il y a beaucoup des gens que je coach qui ont des audiences, mais qui n'ont pas de vente. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ça spécifiquement. Donc, on va pas parler nécessairement de la visibilité, on va parler un petit peu plus de la conversion. Fait que si ton problème, c'est la visibilité, peut-être que ce live-là sera pas nécessairement utile pour toi aujourd'hui. Mais si ton problème est la conversion ou tu veux augmenter tes ventes, ça va définitivement être un live pour toi. Je suis en train de setuper le live. Hello, hello! Dites-moi coucou quand vous vous connectez. Ok. Pourquoi tu ne convertis pas assez? Ok, on est all set. Je vais mettre le live juste ici en face de moi. Et on va commencer. Good, good. OK, donc, allô tout le monde, bienvenue sur le live Instagram. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Je suis aussi en live sur le groupe Facebook. Allô les filles du groupe Facebook. Aujourd'hui, on va parler de conversion. J'en ai parlé un petit peu en introduction avec le groupe Facebook. D'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà sur le groupe Facebook Femmes d'affaires accomplies, je vous invite à rejoindre le groupe. Vous pouvez le faire en cliquant sur MQ Consultation, rejoindre le groupe Facebook, il est gratuit. Vous pouvez me poser vos questions en live. Vous pouvez avoir toutes les replays des lives que j'ai faites dans la dernière année. Il y a une soixantaine de vidéos gratuites sur le groupe Facebook que vous pouvez avoir accès. Aujourd'hui, on parle de conversion. Comment augmenter ses ventes? Fait que c'est un sujet qui va vous être vraiment, vraiment utile et ça va être super intéressant pour vous si vous êtes déjà lancé, que vous avez déjà une audience, une certaine audience, mais vous avez de la difficulté à convertir. Donc, on a quelques points à discuter. Je pense qu'il y a comme 6 points que je veux discuter avec vous par rapport à ça aujourd'hui. Donc, écoutez jusqu'à la fin. Si vous êtes là en replay, écrivez-moi un replay pour que je vois c'est qui est là en replay. Mais ça va grandement vous être utile aujourd'hui si vous avez de la difficulté à faire des ventes. Donc, on va parler de ça aujourd'hui et je suis disponible pour vos questions. Fait que si jamais vous avez des questions, écrivez-moi les filles dans le groupe Facebook et sur Instagram aussi. N'hésitez pas à m'écrire et je vais pouvoir y répondre. First thing first, comment on sait si on a un problème de conversion? C'est bien le fun tout ça, mais est-ce qu'on est au courant si on a un problème de conversion? Fait que comment qu'on fait pour savoir si on a de la misère à convertir? Un. T'as des demandes. Fait qu'il y a des gens qui t'écrivent ou tu as un certain trafic sur ton site web ou il y a des gens qui te suivent sur les médias sociaux, mais tu ne fais pas assez de ventes comparativement au nombre de personnes qui te suivent ou au nombre de personnes intéressées. Pour donner un exemple, t'as, je sais pas moi, 2000 personnes sur les médias sociaux qui te suivent, puis il n'y a pas personne dans cette gang-là qui achète tes services ou il y en a très peu comme qui achètent. Fait que souvent, c'est un pourcentage. Salut Maud, j'espère que ça va bien. Souvent, c'est un pourcentage. Fait que, exemple, que tu as une centaine de personnes sur ta liste de courriels, puis il y en a 10 qui achètent, tu as 10% de taux de conversion, ce qui est super bon. Donc, c'est pas un problème. Fait que si c'est pas un problème, on résout pas ce problème-là. Est-ce que tu peux
augmenter ta conversion, c'est sûr. Fait que si c'est pas un problème, mais c'est quelque chose que tu aimerais augmenter, il faut juste savoir est-ce que c'est la priorité en ce moment ou tu bénéficierais de travailler sur autre chose en ce moment. Fait juste faire une petite analyse graduellement là, de comme tes médias sociaux, tes plateformes, ton nombre de personnes qui entrent en contact avec toi versus ta conversion, puis tu vas savoir si c'est un enjeu ou si c'est pas un enjeu. Puis c'est une des premières choses que je regarde avec mes clientes, c'est leur conversion, leur taux de conversion, parce que ça va indiquer si c'est la priorité, c'est sur ça que je commence à travailler. Si la conversion n'est pas là, c'est tout le temps la priorité. Fait que qu'est-ce qui est un beau taux de conversion versus un moins bon taux de conversion? Ça dépend de l'industrie, ça dépend de la business. Par exemple, en coaching high ticket, par exemple, mon entreprise, un bon taux de conversion va être 30% et plus, OK? Puis mon taux de conversion est généralement autour de 55%. Donc ça, c'est un bon taux de conversion. Pour mes entrepreneurs qui sont un petit peu plus dans le produit ou qui ont quelque chose de plus low ticket, donc moins cher, ben le taux de conversion risque d'être un petit peu plus bas, c'est une question de volume, donc c'est différent. À ce moment-là, le taux de conversion va peut-être être plus autour du 5 à 10%. Puis encore une fois, ça dépend de la plateforme, ça dépend du produit, ça dépend de plein de choses. Fait qu'il faut que tu connaisses un petit peu c'est quoi le standard dans ton industrie. Donc c'est pour ça que, entre autres, dans le diagnostic, ce que je fais avec mes clientes, c'est que j'évalue c'est quoi ton taux de conversion, puis je le compare à la norme dans ton industrie pour qu'on sache est-ce que tu es égal à l'industrie, est-ce que tu es supérieur à l'industrie, est-ce que tu es inférieur à l'industrie. Comme ça, on sait c'est quoi la priorité. Est-ce qu'on travaille vraiment sur la conversion ou c'est pas un objectif en ce moment qu'on devrait avoir? N'hésitez pas à me partager dans le chat dans quelle industrie vous êtes pour que je puisse peut-être donner un exemple. Je sais que j'en ai sur le groupe Facebook qui sont sur le point d'avoir un diagnostic, donc peut-être que dans votre cas, vous voulez partager un petit peu. Sinon, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous donner les taux de conversion que j'ai observés comme étant des normes dans l'industrie depuis les 4 dernières années. Dans le domaine artistique, super bonne question. Fait que si tu vends des produits ou que tu es dans le domaine artistique, artisanal, je coach pas beaucoup de clientes dans ce domaine-là, bien honnêtement. Par contre, si c'est ça ton industrie, je te dirais que ton taux de conversion risque d'être très faible. Puis la stratégie, ça dépend, c'est quoi ta stratégie. Si ta stratégie, c'est de vendre ton œuvre d'art le plus cher possible à la personne qui va payer le plus cher pour ton œuvre d'art, tu n'as pas besoin d'un gros taux de conversion, tu as besoin de juste 1% de conversion pour convertir un haut prix. Fait que c'est vraiment différent. Le domaine artistique, c'est comment tu es capable de charger le plus cher pour ton œuvre d'art à la personne premium qui va acheter cette œuvre d'art-là. Donc, on veut créer de l'exclusivité. Donc, le taux de conversion va être faible. C'est normal parce qu'on ne veut pas qu'il y en ait 100 qui l'achètent. On veut qu'il y en ait le moins possible qui l'achètent pour créer l'exclusivité, la rareté. Puis, c'est ce qui fait que ça fait que c'est un produit artistique de luxe et que je suis la seule à l'avoir ou une des seules à l'avoir. Fait que le taux de conversion va être faible et c'est normal. On souhaite ça. Par contre, si tu vis la difficulté à vendre, donc à faire assez d'argent, c'est d'augmenter un petit peu ton prix, puis c'est de créer un petit peu plus de nouveautés pour créer de la rareté encore plus, pour augmenter les conversions, les opportunités de conversion. Fait que pour un produit, exemple, ben tu vas avoir 1% de conversion parce qu'il y a juste une personne qui peut l'acheter, right? Donc, il faut que tu crées plusieurs portes d'entrée, il faut que tu crées plusieurs produits. Puis si tu veux augmenter ta conversion, c'est peut-être de faire des partenariats. Maud, c'est correct, s'il faut que tu quittes, t'écouteras en replay, il n'y a pas de souci. Allô Nick, contente de vous voir en live. Je suis toujours contente quand vous me faites un petit coucou en live. Donc, c'est de créer peut-être des produits ou est-ce qu'ils vont peut-être des produits plus d'entrée de gamme dans ce que tu fais, dans tes créations, pour rendre ton œuvre d'art un peu plus accessible puis d'augmenter tes ventes. Donc, augmenter ta conversion d'audience sans nécessairement avoir à créer plusieurs versions comme plusieurs réplica de ce que tu as créé. Fait que dans le domaine artistique, c'est vraiment un domaine plus particulier, un peu comme le domaine du luxe. Quand on parle de luxe, mais ben, le pourcentage de conversion est faible parce que le but, c'est pas nécessairement d'aller chercher le maximum de conversion, c'est d'augmenter le prix puis la perception de la valeur de ce que tu offres. Donc, la stratégie est différente à ce moment-là.
On parle un peu plus d'une stratégie de rareté puis d'augmentation de prix pour augmenter les ventes plutôt que d'augmenter la conversion. Je suis dans le domaine de services de physiothérapie à domicile. Nice! Je vais vous donner des exemples. Allô Clara, contente de te voir. Pour qu'est-ce qui est de l'industrie de la physiothérapie à domicile, c'est un besoin. Okay? Fait que tout ce qui est comme un besoin, ce qui est les gens l'achètent parce qu'ils en ont besoin, c'est facile de pouvoir augmenter le taux de conversion à comme 70%. Il n'y a aucune raison, en fait, à moins que vraiment le. Il n'y ait pas un fit de valeur ou que, par exemple, le service soit trop cher pour les besoins de la personne, puis qu'elle ait accès à des services publics qui est ton compétiteur, peut-être les CLSC, ce genre d'entreprise-là publique. Mais c'est tes compétiteurs, c'est le public. Fait que c'est ce qui est plus accessible, mais c'est aussi moins facile d'avoir accès à ces services-là parce que c'est public. Donc, le taux de conversion devrait être élevé ou on devrait du moins tendre vers avoir un taux de conversion plus vers le 70%. Les raisons pourquoi que ça échouerait, que ça ne marcherait pas, le taux de conversion, c'est que les gens ne se présentent pas. Donc, les gens, il y a un rendez-vous, mais ils annulent. Donc, il faut augmenter la conversion par créer une meilleure structure pour que les gens se présentent. Donc, les gens achètent. Marie-France, fait que c'est sûr et certain que ça va être une des priorités dans cette industrie-là, c'est que augmenter la conversion dans les présences, donc que les gens se soient là, mais la beauté de ton service, c'est que c'est à domicile, fait que c'est difficile de ne pas être là. Fait qu'encore une fois, ça prouve encore plus mon point que le taux de conversion devrait être très élevé. Et la deuxième chose, c'est peut-être plus les raisons financières. Donc, est-ce que on est capable de faire valoir la valeur du service par le fait qu'il n'y a pas d'attente, par le fait que c'est à la maison? Donc, le standard devrait être assez élevé en termes de conversion pour les appels puis pour les ventes de ce service-là spécifiquement. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Marie-France. Fait que ton cas, dans ton cas à toi, probablement que ce qui va être le plus intéressant, je vais en parler tantôt si tu veux écouter jusqu'à la fin, c'est pas nécessairement de travailler sur la conversion, c'est de travailler sur le trafic, donc la visibilité de l'offre. Étant donné que si tu as un haut taux de conversion, ben, il n'y a pas nécessairement quelque chose à faire par rapport à ça. Puis voilà, fait que on va en reparler un petit peu plus tard. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien sur Instagram. Alright, donc on passe à un autre sujet. Marie-France, je suis contente que ça ait répondu à ta question. Il y a consultante en ressources humaines également. Ok, consultante en ressources humaines, il y a quand même comparativement à la physiothérapie, que généralement c'est associé à un besoin criant, à des douleurs, à des besoins spécifiques. Tu sais, si c'est à domicile, j'imagine aussi que c'est peut-être des personnes âgées, peut-être que c'est des gens vraiment en besoin. Fait que, mettons qu'on est dans un service de consultante en ressources humaines, des fois, les gens vont pas voir la valeur d'avoir une conseillère en ressources humaines parce qu'ils l'ont fait tout le temps par eux-mêmes, ou par exemple, ils n'ont pas de département nécessairement à l'interne, fait que c'est vraiment comme un rôle supplémentaire. Et il y a beaucoup de compétition en consultation. Il y a beaucoup de demandes, mais il y a aussi beaucoup de compétition. Puis contrairement à la physiothérapie, où est-ce que tu peux être localisé à un endroit puis tu n'as pas de compétition, parce que, ou peu, parce que tu es localisé à un endroit, ben des consultantes, tu peux en avoir partout au Québec, partout au Canada, partout au monde. Pour intervenir dans l'entreprise. Donc, la compétition est élevée, mais la demande est très élevée aussi. Fait que c'est un bon marché à être, c'est juste que le taux de conversion risque d'être un petit peu moins élevé à cause que les gens ont plus de choix. Right? Fait que c'est là qu'on va voir comment convertir plus aujourd'hui avec toi, Jennifer. Mais si on regarde un taux de closing régulier d'un service plus high ticket, donc, je dirais, comme quand tu es consultante externe, comme en ressources humaines, tu vas charger quelque chose comme 20, probablement 30 000 par année. Ça dépend des contrats, ça dépend aussi de l'ampleur de ton implication dans l'entreprise, mais c'est souvent des plus gros mandats. C'est souvent un poste, dans le fond, qui est comme externe à l'entreprise parce qu'ils n'ont pas les ressources à l'interne pour engager quelqu'un temps plein, mais qui vont bénéficier d'avoir un département avec une consultante externe pour aider avec les ressources humaines, avec à l'interne. Fait que c'est souvent des prix qui sont plus élevés. Et à cause de ça, ben, le taux de conversion est plus faible. Puis c'est normal parce que ben, le prix est plus élevé. Tu as besoin d'avoir
moins de conversions pour faire autant de ventes. Donc, ce qui va être important, c'est, je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus, c'est la spécialisation. Donc, à quel point tu es spécialisé pour devenir la personne référence, puis comme les gens n'ont pas le choix d'aller vers toi parce que tu es spécialisé dans quelque chose, ça va augmenter la conversion. Quand tu es dans un marché qui est compétitif, une des façons de te démarquer, c'est d'être la seule à faire ce que tu fais. OK? Je vais ajouter parce que celle qui écoute en ce moment là, sur Instagram, je vais ajouter le contexte. Jennifer ajoute, je suis au Nouveau-Brunswick et dans ma région, je suis la seule consultante en entreprise au droit à une subvention de 75% de remboursement. Voilà. Donc là, tu as un avantage concurrentiel qui fait que tu te démarques de toutes les autres entreprises, ce qui fait que tu pourrais viser à avoir un taux de conversion plus élevé à ce moment-là. Mais généralement, dans les services de consultation, un taux de conversion, si tu es toute seule dans ta business, puis que c'est toi qui fais les appels, c'est toi qui fais tout, encore une fois, je ne sais pas ta situation complète, mais on pourrait viser à 50%. Donc, on pourrait viser 50% de conversion. Il va toujours en avoir que, bon, la subvention passe pas, c'est plus difficile, il y en a qui vont peut-être pas être prêtes nécessairement, puis il y en a que ça va être plus tard. Fait que, tu sais, en termes de conversion, je dirais que 50% des clients potentiels devraient convertir dans cette situation-là. Puis encore une fois, il faudrait regarder le track record de ce que tu as fait dans le passé, il faudrait voir d'autres données, là, mais grossièrement, les consultants, consultantes, RH et ou autres avec une expertise qui vendent eux-mêmes leurs services pourraient viser à 50% de conversion. Ça ferait totalement du sens. Fait que si tu es en bas de ça, il y a un potentiel d'amélioration. Si tu es en haut de ça, good for you, tu n'as pas besoin de t'améliorer nécessairement. Puis c'est ça la beauté aussi de regarder ces chiffres, c'est que des fois, tu réalises. Ah, j'ai perdu comme 2, 3, 4 clients ce mois-ci, puis tu fais comme, OK, mais c'est correct, comme c'est pas un problème en soi que ces clients-là n'aient pas signé, n'aient pas acheté, parce que c'est pas ça mon focus, puis c'est pas un problème en soi, c'est normal que j'aie 50% de conversion, par exemple, sur des clients potentiels. Donc, voilà. Hey, j'ai eu d'autres exemples que je trouve ça vraiment pertinent que vous me donniez, comme ça, je peux vous donner vraiment des perspectives par rapport à ça, mais n'hésitez pas sur Instagram si jamais vous voulez me le partager aussi. Je sais que ça peut être vraiment utile de vous donner encore plus de feedback par rapport à ça. Ça fait plaisir, Jennifer. OK, donc on y va avec Clara qui dit qu'elle est formatrice et coach en prise de parole. Donc, si tu vends des formations, si tu as un genre de produit d'information avec peut-être du coaching, peut-être des Q&A, peut-être une forme de support pour la prise de parole, par exemple, ou ça peut être insère autre domaine d'expertise ici, tu peux t'attendre à quelque chose de comme, je dirais, autour de 30%. Parce que tu cibles aussi un marché plus large qui n'ont pas un besoin spécifique criant. Puis, c'est pas toujours associé à un retour sur investissement, right? Donc, c'est pas comme je prends parole, je fais plus d'argent. Pas nécessairement, mais ça peut aider. Fait que oui, tu peux toujours avoir une forme de retour sur investissement. Fait que la conversion va peut-être être un peu plus élevée à ce moment-là. C'est comme considéré comme un besoin, mais c'est un skills qui se développe. Je dirais que généralement, tout ce qui est skills, apprendre à faire quelque chose, apprendre à gérer tes finances, apprendre à gérer. Apprendre à parler publiquement, apprendre à manger mieux, apprendre à t'entraîner. Le taux de conversion de ces offres-là, c'est toujours pas mal autour de 30%. Puis ça, c'est bon. Tu sais, c'est un bon taux de conversion. On va dire pas excellent, mais bon. Fait que ce que tu pourrais viser en termes de conversion sur tes appels de clients potentiels ou sur, par exemple, les demandes de clients que tu as, c'est à peu près 30%. Nick, je suis le seul homme dans le groupe de femmes d'entrepreneurs. Comment je pourrais en bénéficier? Nick, c'est pas pour toi. Je devrais t'enlever du groupe Facebook. Toi, tu aurais le droit juste d'être sur Instagram. C'est que je pense que tu as eu accès au groupe Facebook quand on a fait un live ensemble il y a genre quelques années. Nick, c'est mon ami, puis c'est le seul homme sur le groupe Facebook. Fais-moi penser qu'il faut que je t'enlève du groupe Facebook. Faut que je te donne accès juste à mon compte Instagram. Allô tout le monde sur le compte Instagram, j'espère que vous allez bien. Je vais continuer parce que je trouve ça vraiment pertinent de vous donner des exemples spécifiques pour les offres en tant que telles. J'espère que ça répond à ta question, Clara. Clara Sylvie, je ne sais pas si j'ai le bon nom.
30% de conversion pour ce genre d'offre-là, formation ou genre coaching avec Q&A, c'est vraiment quelque chose de normal. Avec appel, parce que je vais spécifier, ton taux de conversion va dépendre aussi de ton processus d'acquisition. Si tu fais un processus d'acquisition par juste envoyer un lien ou payer sur une page de vente, c'est normal que ton taux de conversion soit plus bas. Puis à la limite, c'est pas un problème. Fait que si tes clients payent sur une page de vente puis ils payent pas à travers un appel, c'est normal que ton taux de conversion soit comme 5 à 10%, puis c'est vraiment correct. Le but, c'est pas qu'on ait un taux de conversion élevé. Tu peux avoir 100% de conversion, c'est de savoir c'est quoi la norme en fonction de sa stratégie puis en fonction de ses objectifs. Si par exemple, mon objectif, c'est de vendre un produit à un maximum de personnes, je veux pas passer 4 heures à convertir ce produit-là parce que je vais pas atteindre mes objectifs, right? Fait que si, exemple, je veux vendre justement des vêtements, ben mes clients ne vont pas passer du temps à répondre à toutes les questions en DM juste pour augmenter leur pourcentage de conversion. S'ils ont un bon taux de conversion, si, exemple, ils convertissent déjà sur leur panier à comme du 5%, on n'a pas de problème. On ne va pas créer quelque chose pour se créer de la job pour augmenter de 2%. On est mieux d'augmenter la visibilité puis d'amener plus de gens à convertir dans le panier. Ça va être beaucoup plus payant que de se créer comme plein de tâches pour augmenter la conversion. Fait que c'est ça qui est important de comprendre. C'est comme, OK, oui, on veut augmenter la conversion, mais si c'est pas un problème, c'est pas un problème. D'où l'importance de savoir si c'est un problème ou si c'est un objectif dans son industrie, dans sa stratégie. OK. Une autre chose qui a été dit, je suis intervenante en zoothérapie spécialisée auprès des adolescents. Encore une fois, très, très spécifique, très niche. À ce moment-là, c'est rare qu'il va y avoir vraiment, c'est beaucoup de compétition, mais c'est aussi qu'il y a très, très peu de demandes. Fait que là, le problème avec If it ain't broken, don't fix it. Exactement, Mélina. Genre, tellement de monde qui passe du temps à régler des problèmes qui ne sont pas des problèmes. Puis c'est pour ça qu'ils tournent en rond. Fait que je veux pas qu'on crée un problème ici avec la conversion. Si c'est pas un problème, c'est pas un problème. Mets le chapeau si le chapeau te fait. Si on parle d'un produit vraiment spécifique, tu vas avoir un taux de conversion extraordinaire. Tu vas avoir très, très peu de leads, mais tu vas avoir un très haut taux de conversion parce que tu es une des seules qui offre ça, right? Fait que ça fait du sens. Ton plus gros problème, c'est peut-être que justement, faut que tu te fasses connaître par cette clientèle-là. Fait que ton plus gros problème de conversion va être ta visibilité puis ton bassin, est-ce qu'il est assez large. Donc, je vais en reparler un peu plus tard. On va venir au problème de trafic, qui est un des problèmes courants des entrepreneurs qui sont hyper spécialisés, hyper nichés. C'est le volume, c'est le bassin de clients potentiels. Faut que tu deviennes la référence, fait qu'il faut que tout le monde te connaisse pour que ça fasse du sens. Tout dépendamment de tes objectifs. Là, je parle de gens qui veulent être en croissance, qui veulent faire 100 000 et plus par année. Tu sais, je parle de tout ça, là. Fait que c'est sûr que si tu es confortable avec ton entreprise en ce moment, mais que tu convertis pas assez, ben peut-être qu'on n'a pas encore assez démontré ta spécialisation. Si tu es justement spécialisée comme intervenante en zoothérapie, puis tu es la seule au Québec qui est spécialisée pour les adolescents, ben parle-nous de ta spécialisation si tu convertis pas assez. Parle-nous de comment c'est différent pour les adolescents. Parle-nous de comment ton approche est meilleure qu'un autre zoothérapeute qui est plus public large. Parle-nous de comment tu as acquis cette spécialité-là pour que les gens comprennent la valeur, si c'est un problème de conversion, bien entendu. Donc, j'espère que ça t'aide, Laura. J'espère que ça t'éclaire sur un peu à quoi t'attendre, mais en théorie, si tu vends bien ton expertise puis ton unicité, puis le fait que tu es probablement une des seules à le faire, tu devrais avoir un très haut taux de conversion si tu démontres bien ton unicité puis le fait que tu es une des seules. Voilà. OK, ben j'ai donné plein d'exemples. Je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je trouve ça hyper pertinent. Si jamais vous en avez d'autres, que vous êtes dans une industrie puis vous voulez avoir votre genre de standard sur la conversion, écrivez-moi-le en commentaire. Je vais pouvoir vous donner un petit peu plus de perspective. Puis là, j'avais froid, mais là, j'ai chaud. À force de bouger puis de faire des gesticules. Je vais tomber dans le sujet de si tu convertis pas assez, qu'est-ce que tu peux faire concrètement?
il y a une, deux, trois, quatre, cinq choses que tu peux améliorer. Oui, merci Laura. Good. Merveilleux. Première chose, t'en parles pas assez. Des fois, là, le problème de conversion, c'est juste que t'en parles pas assez. Tu parles pas assez de tes services. Tu parles pas assez de qu'est-ce que tu fais. Fait que les gens te voient, les gens sont là, mais ils savent pas que tu offres ce que tu offres. Et c'est tout. Des fois, c'est juste ça le problème. Donc, on travaille ça avec mes clientes beaucoup parce qu'il y en a que ça fait comme plusieurs années qu'ils sont dans la même business, puis ils sentent qu'ils doivent se répéter, qu'ils doivent tout le temps le dire, qu'ils doivent tout le temps le répéter. Puis c'est vrai que c'est fatigant. C'est vrai qu'à un moment donné, t'es comme, OK, je peux-tu arrêter de parler de mes services? Mais la réalité, c'est que non. Tu peux pas arrêter de parler de tes services. Ou tout le temps, tu parles de tes services, de tes produits, de ce que tu as à offrir. Fait un des gros problèmes, c'est d'en parler. T'en parles pas assez, t'auras pas assez de ventes. Hors sujet, mais cette chemise est magique, magnifique. Merci, Mélanie. C'est une robe, en fait. Elle va jusqu'à la mi-cuisse, on le voit pas en ce moment, mais merci, c'est très gentil. Donc, première chose, si tu convertis pas assez, c'est que ça se peut que t'en parles pas assez. Puis quand je dis parler assez, c'est que t'en parles à chaque semaine. Comme propriétaire d'entreprise, tu devrais vendre à chaque semaine. Puis là, je dis semaine, mais jour fonctionne aussi. Puis il y a plusieurs façons de vendre. Fait qu'il faut que tu deviennes à l'aise à travailler avec plusieurs façons de vendre. Comme par exemple, dans mon cas, je vends à tous les jours, mais c'est pas nécessairement moi qui vends, c'est mes pubs qui vendent à ma place. Fait que oui, je vends à chaque jour comme entreprise. À chaque jour, il y a quelqu'un en quelque part qui voit mon offre puis a un potentiel de l'acheter. Au moins une fois par semaine, je fais une story qui parle du diagnostic qui est notre offre d'entrée. J'en parle aussi à chaque semaine sur le live que je fais un diagnostic pour commencer à travailler avec toutes mes clientes. À chaque semaine, je crée du contenu puis je parle de comment j'aide mes clientes à atteindre leur objectif. À chaque semaine, je démontre des podcasts qui montrent comment je peux t'aider puis je parle du diagnostic sur le podcast. À chaque semaine, je parle de mes services. À chaque jour, mon entreprise vend les services. C'est un must. Si tu convertis pas assez, la première chose que je regarde avec mes clients, c'est est-ce qu'on sait que ça existe? Est-ce que tu en parles assez? Voilà, premier point. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez jamais trop parler de vos services. Si vous sentez que vous en parlez trop, c'est vraiment une perception que vous avez. Puis on peut avoir différents exercices pour vous aider à comme, modifier la façon que vous en parlez, à être créative par rapport à ça. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire, c'est de vous habituer à ce que ça soit boring, de toujours répéter la même chose, même si c'est pas quelque chose de nouveau à vendre. Ça, c'est aussi quelque chose que les clientes vont faire. Comme je suis tannée de parler toujours la même affaire, je vais créer une nouvelle offre, comme ça, je vais être moins tannée d'en parler. C'est pas la solution. Okay? Parce que tu vas pas augmenter ta conversion de ce que tu veux vendre en vendant quelque chose de nouveau parce que tu es moins tannée de le vendre. Comme, pas une stratégie soutenable sur le long terme. Ça peut marcher, comme, il y a tout le temps une teinte de gris à avoir là-dedans, comme c'est pas blanc ou noir, puis tu peux vendre quelque chose juste parce que ça tente de le vendre, c'est totalement OK, mais c'est juste pas une stratégie soutenable sur le long terme. Deux, la raison pourquoi tu convertis pas assez, c'est que t'as pas assez de preuves sociales. Puis ça, c'est correct au début que t'aies pas beaucoup de preuves sociales, mais il faut que tu travailles à bâtir tes preuves sociales pour que ça fasse du sens pour tes clients de te voir comme une référence, de te voir comme une entreprise avec laquelle ils veulent faire affaire ou qu'ils veulent acheter. Puis, comment ça se bâtit ça? Ben, tu demandes des témoignages. Tu te préoccupes réellement de ce que tes clients vont dire de toi. Tu fais en sorte de bâtir les preuves parce que tu donnes un bon service à tes clients, tu donnes un bon produit à tes clients et ça va parler de soi-même. Donc, il y a des fois une composante de temps qui est normale, que ça prenne un peu plus de temps avant de bâtir les preuves sociales. Puis, il y a des façons d'accélérer ce temps-là. Puis, ben, les meilleures façons, des fois, c'est de donner quelque chose en échange de feedback, de demander le feedback, parce que des fois, on n'est pas obligé d'attendre hein, que ça nous soit donné. On peut le demander. Ça accélère le processus aussi. Donc, si tu convertis pas assez, demande-toi comment je pourrais avoir plus de preuves sociales. Est-ce que je donne un assez bon service pour que les clients en parlent et pour qu'ils me donnent un feedback, un témoignage, etc.
Preuve sociale, c'est un des éléments de conversion. Fait que si, exemple, personne parle de ton offre à ta place, ça va être plus difficile de convertir. Une des choses qui convertit le plus, c'est quand les gens donnent une référence. Ils disent, ah oh oui, cette personne-là, je lui fais confiance. Je dirais que comme peut-être 15%, 20%, peut-être 30%, je sais pas, mais il y a beaucoup, beaucoup. Je pense, aux dernières nouvelles, c'est à peu près 30% de nos clientes ont parlé à quelqu'un d'autre avant d'acheter nos services. Ont parlé à une des personnes qui a déjà acheté nos services avant d'acheter. Est-ce que ça aide à vendre? Définitivement. C'est sûr et certain que ça augmente les conversions. Ça augmente les conversions parce que ça augmente le sentiment de confiance. Si moi, je fais déjà confiance à quelqu'un, puis quelqu'un me dit « Oui, j'ai acheté, tu peux faire confiance », définitivement que ça va augmenter la conversion. Fait que ça, c'est un élément que des fois, ça prend du temps. Fait que c'est correct si vous ne l'avez pas, mais ayez peut-être ça en tête dans les prochaines étapes de comment je peux bâtir un peu plus de preuves sociales pour mon offre pour augmenter la conversion. 4, c'est ce que je disais avec Jennifer qui est en RH. On ne voit pas d'avantage clair spécifique. Donc, pourquoi on ne convertit pas assez des fois, c'est que il n'y a pas une assez grosse différence entre toi et quelqu'un d'autre. Tu sais, entre tel entraîneur puis tel autre entraîneur, pourquoi j'irais vers toi? Si tu offres sensiblement la même chose, pourquoi toi? Puis le prix, c'est pas un bon argument. C'est jamais un bon argument le prix. Comme tu vas toujours te battre pour être le moins cher. Fait que c'est quoi qui fait que moi j'irais voir toi? Faut qu'il y ait un avantage clair, spécifique. Puis ça, des fois, c'est pas toujours assez mis de l'avant dans la page de vente, dans ce que vous faites. Fait que plus loin que juste en parler, faut que tu dises qu'est-ce qui fait que c'est différent, qu'est-ce qui fait que c'est unique, qu'est-ce qui fait que c'est spécifique pour ton client idéal. Puis ça, je pense qu'on a tendance à être trop humble puis à pas vouloir, pas se vanter, mais vraiment être clair sur la valeur qui est livrée. Fait que par exemple, je sais que moi, le diagnostic d'entreprise, je vais répondre à Clara tantôt. Je sais que j'ai un diagnostic d'entreprise que personne d'autre fait. Okay? Je sais que aucun autre coach au Québec fait ça. Pourquoi? Parce que c'est difficile, okay? C'est long, c'est beaucoup de temps upfront, c'est beaucoup d'investissement, puis je sais que la plupart des gens ne veulent pas faire ça. Parce que justement, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de personnalisation très upfront, avant même que nos clients s'engagent sur le long terme avec nous. Je sais que c'est un avantage que j'ai. Je sais que les clientes le savent, puis je sais que c'est un avantage pour moi de mettre ça de l'avant. Mais si j'en parle pas, que c'est personnalisé. Si je parle pas des avantages d'avoir un plan d'action avant même de commencer. Si je parle pas de la possibilité de le faire en cas de paiement. Si je parle pas de tous ces avantages-là, ben c'est pas clair, puis c'est pas spécifique pour mon client comment je suis la meilleure solution pour lui. Fait que des fois, on n'ose pas mettre de l'avant ses avantages concurrentiels parce qu'on a peur de comme paraître comme je me prends pour quelqu'un d'autre ou pas assumer complètement son expertise ou pas assumer complètement ses avantages puis pourquoi qu'on est extraordinaire. Fait que déjà là, faut voir qu'on est extraordinaire, faut voir qu'on est différent puis qu'on est unique, faut l'être, faut pas juste l'inventer, faut l'être. Mais il faut aussi être capable de le communiquer clairement. Puis c'est souvent là que mes clientes vont voir le plus gros gap. Ils vont faire que « Oh my God, j'ai enfin assumé que c'est ça que je voulais faire. J'ai enfin assumé que c'est ça que je valais. J'ai enfin assumé que c'est ça que je voulais offrir. Puis comment je voulais l'offrir. Puis je me suis enfin permis de mettre de l'avant cet avantage-là. Puis qu'est-ce qui fait que je sers mieux mes clients que peut-être certains compétiteurs? » C'est là que j'ai vu une différence. Fait qu'il y a énormément de travail à faire sur les éléments différenciateurs, mais aussi des fois c'est d'apporter des éléments différenciateurs s'il n'y en a pas assez pour augmenter la conversion. Avec une cliente, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté des choses à son offre de service pour que les clients voient encore plus l'ajout de valeur spécifique qu'elle apportait dans le fond. Fait que des fois, c'est de retravailler un peu son offre pour que le client, ça devienne un no-brainer de travailler avec toi, puis de convertir davantage. Ça, c'est le quatrième point. Non, le troisième. J'arrive au quatrième. J'ai parlé de spécificité, j'ai parlé d'avantage concurrentiel, mais un autre point, c'est que le client comprend pas tellement comment ça le
sert, ça lui sert à atteindre son objectif ou à atteindre le statut qu'il veut accomplir ou à répondre à ses besoins à lui. Donc, si exemple, ton client a besoin d'aide avec ses RH, je reprends le même exemple, il veut engager quelqu'un pour ses ressources humaines. Pourquoi? Qu'est-ce qui va faire que ce client-là va être satisfait au bout de la ligne après un an? Qu'est-ce qui va faire en sorte que ce client-là va vivre la transformation? Au-delà de voir que tu es la bonne personne pour lui, qu'est-ce que ton client, lui, va en retirer? Parce que des fois, on a la plus belle offre, on a le meilleur service, mais on n'explique pas bien, puis on décortique pas bien, puis on rend pas ça évident pour son client. Ça va être quoi la destination finale? Si tu travailles avec moi, puis MQ Consultation, la moitié de nos clients doublent leur chiffre d'affaires. Fait. C'est tout simplement un fait. Fait que si tu travailles avec nous, il y a de fortes chances que tu doubles ton chiffre d'affaires. En fait, 50% des chances est que tu doubles ton chiffre d'affaires à l'intérieur de notre année de travail ensemble, dans la première année. C'est une démonstration de valeur claire pour le client. Au-delà de dire que oui, on offre de la personnalisation, au-delà de dire que oui, on est très impliqué dans la croissance de nos clients, au-delà de dire qu'on a toutes ces choses-là qui nous différencient, on est très clair sur qu'est-ce qu'on offre comme valeur, comme transformation finale, puis comme promesse. Puis ça, il ne faut pas avoir peur de faire ce genre de promesses-là, mais il faut que ça soit vrai. Parce que c'est ça qui va faire que le client va faire, OK, non seulement c'est les bonnes personnes, mais je sais que je vais avoir ce que j'ai besoin au bout de la ligne. Ça, c'est vraiment, vraiment important de remettre toujours ça sur la table. Qu'est-ce que vous offrez comme valeur? Qu'est-ce qui fait que le client va vouloir acheter maintenant? Puis qu'est-ce qui fait que le client, s'il n'achète pas, qu'est-ce qui fait qu'il va manquer quelque chose? Ça aussi, c'est important à parler quand on convertit pas assez. On ne parle pas assez de l'opportunité manquée que ton client va vivre s'il ne travaille pas avec toi, s'il ne t'engage pas toi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut jouer. Il ne faut pas non plus essayer de manipuler le client. Le client, s'il ne travaille pas avec toi, il ne travaille pas avec toi. S'il ne t'engage pas, s'il n'achète pas de toi, c'est correct. Mais juste de dire, voici ce qu'on peut faire avec toi, voici la destination qu'on peut accomplir ensemble, puis voici ce que tu vas manquer. Voici ce qui va être le potentiel qu'on aurait pu explorer ensemble, qui ne sera pas exploité si on ne travaille pas ensemble. C'est quand même quelque chose de no-brainer, mais souvent, les gens ne le mentionnent juste pas. OK. Dernière chose. Ça, c'est une des dernières choses. Bien, la dernière chose que je vois avec mes clients. Si on a tout optimisé ça, puis que la conversion est encore problématique, donc il n'y a juste pas assez de conversion, des fois, c'est un problème de trafic. OK? Fait que si ton pourcentage de conversion est optimal, tu convertis à 30% tout le temps. Tu as tout le temps des demandes, mais ça convertit toujours à 30% puis c'est bloqué à 30%. Ben, des fois, c'est pas nécessairement d'augmenter le pourcentage de conversion, c'est d'augmenter le nombre de personnes qui rentrent dans ton pipeline. Fait que là, c'est le trafic. Fait que si il y a tout d'optimisé, que tu as tout fait ces choses-là puis que tu as vraiment été jusqu'au bout de la conversion, de tout ce que tu pouvais faire, de tout ce que tu peux optimiser dans ton message, que tu en parles fréquemment, puis que ça vend, tu ne vends pas assez à ton goût. Le dernier levier de croissance à mobiliser, c'est le trafic. Fait qu'il y en a tellement qui focus sur faut que j'aille plus de monde, faut que je sois plus visible, faut que les gens savent que j'existe encore plus, faut qu'il y ait plus de monde, mais c'est pas tout le temps le cas. Est-ce que tout le reste a été optimisé avant? Est-ce qu'on a pris le temps d'en parler à chaque semaine? Est-ce qu'on a des preuves sociales? Est-ce qu'on a des avantages clairs et spécifiques sur pourquoi toi? Est-ce qu'on a pris le temps de démontrer la valeur retirée au client? Est-ce qu'on a pris le temps de voir les opportunités manquées si le client ne le fait pas maintenant? Si on a tout fait ça de façon constante puis qu'il y a eu aucune amélioration, ben, tu es correct au niveau de la conversion. Le focus suivant serait définitivement de travailler sur le trafic. Donc, amener juste plus de gens à être ton client potentiel. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas du tout le même objectif. Là, on parle d'un objectif de visibilité. Puis ça pourrait être une autre vidéo, mais ça ne le sera pas aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a permis de voir plus clair par rapport à votre conversion. Celles qui écoutaient en replay sur Instagram, écrivez-moi un replay, je serais curieuse de vous entendre. Je recevais un appel, désolée pour ça. All right.
Y a-t-il des questions? Sur le groupe Facebook, est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il d'autres personnes qui veulent me partager qu'est-ce qu'ils font? Je vais attendre de vos réponses. Good. Merveilleux. On va finir ça bientôt. Moi, je m'en vais très bientôt à Tremblant. Fin de semaine avec les filles. Fin de semaine de girls. Donc, ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le sujet. Si vous êtes encore en live, je vous invite à réserver un diagnostic d'entreprise pour voir est-ce que la conversion est une des problématiques sur laquelle vous devriez travailler en ce moment ou autre chose comme la visibilité. Si c'est le cas, je vous mets en lien le formulaire à remplir pour pouvoir travailler avec moi et MQ Consultation. Comme j'ai dit, le diagnostic, c'est la première étape pour les services. C'est un profil complet de ton entreprise, c'est une image dans l'état actuel de ta business en fonction des données que tu vas nous fournir. On fait ensuite une analyse des objectifs que tu devras avoir, les focus que tu devras avoir. C'est un document d'une vingtaine de pages avec un plan d'action à la fin, mois par mois, sur toutes les choses à mettre en place pour atteindre tes objectifs. C'est personnalisé, encore une fois, c'est en fonction de ton entreprise. Et on inclut là-dedans une étude de marché justement sur les standards dans ton industrie à toi, c'est quoi les tendances dans ton industrie à toi. Donc, on inclut ça également dans le diagnostic. Fait que je vais mettre ça dans le chat aussi sur le groupe Facebook. C'est le formulaire à remplir si jamais vous voulez faire une demande d'information. Le tout va être mis juste là. Et je vais aussi vous envoyer les informations sur le diagnostic, mais si jamais vous n'êtes pas certaine ou que vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours nous écrire un message privé. Ça va me faire plaisir, moi et mon équipe, de regarder ça avec vous puis de vous expliquer le fonctionnement. Puis j'ai parlé de ça aussi sur le Mystery aujourd'hui. Mais suite au diagnostic, si vous voulez être accompagné sur le plus long terme, il y a également l'accompagnement sur 6 mois après le diagnostic. Puis c'est un forfait qui varie entre 1 000 $ et 2 500 par mois pendant 6 mois, où est-ce qu'on vous accompagne mois par mois dans l'atteinte de vos objectifs suite au plan d'action qu'on vous a fait dans le diagnostic. Et le diagnostic est crédité sur le programme. Donc vous prenez le 950 puis vous l'appliquez sur le programme du forfait de votre choix. Et à ce moment-là, on vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. On a des nouvelles clientes à tous les mois, donc il n'y a pas de parcours prédéfini. Vous commencez quand vous commencez avec le plan d'action qu'on vous a fait de façon personnalisée. Et puis, si vous voulez vraiment être accompagné sur le très long terme, donc vous voulez avoir un accompagnement avec moi peut-être dans les prochaines années, il y a toujours le club après le programme. Donc, mes clientes restent avec moi depuis. J'ai une cliente qui vient justement de signer sa 4e entente avec moi. Donc, il y a le club pour ça. Puis, le club, c'est encore une fois en fonction de tes besoins. Il y a différents forfaits en groupe, en one-on-one. Et il y a également des événements d'organiser pour créer des moments de connexion entre entrepreneurs. Donc ça, c'est également disponible dans le club si tu souhaites continuer l'accompagnement sur le plus long terme après. Donc voilà, je voulais vous faire un petit reminder. Des fois, c'est bon d'avoir des rappels. Comme j'ai dit au début, on doit parler de ses services, on doit parler de ce qu'on offre à toutes les semaines, à tous les jours. Ça, c'est pour moi une façon de vous le rappeler. Encore une fois, vous n'êtes aucunement dans l'obligation de prendre action maintenant. Si vous vous êtes servi par le contenu gratuit, que vous écoutez le podcast, que vous écoutez mes vidéos, puis que c'est suffisant pour vous en ce moment, puis que vous retirez beaucoup de valeur, puis peut-être que c'est pour plus tard, vous êtes tellement les bienvenus ici. Vous êtes vraiment les bienvenus de retirer toute la valeur des contenus gratuits. Si vous êtes prêts vraiment à vivre des transformations, puis vous sentir accompagné de A à Z, ben le diagnostic est la première étape. Voilà. Bon week-end, gang! J'espère sincèrement que vous avez aimé ce live-ci. Merci d'être là sur le groupe Facebook. Merci d'être là en live. Et on se reparle la semaine prochaine.